Au duel et aérien. C'est parti pour le coup d'envoi avec l'équipe de France, avec Adrien Rabiot, les bleus tout de blanc, vêtus de la tête aux pieds ce soir. Premier ballon pour Upamecano avec Koundé sur le côté, pris par Williams, qui va prolonger, Dembélé qui va repiquer dans l'axe, Kukurea derrière, avec le ballon, attention, perdu par Dembélé, récupéré très haut par Morata, avec Olmo. Avec Koundé, Fabien Ruiz qui essaye de récupérer cette balle. Il y a Dembélé qui a décroché. Dembélé qui va venir un peu plus dans l'axe. Qui demande que ça bouge. On écarte le jeu. Mbappé, contrôle de la poitrine à l'entrée de la sphère. Attention, il n'y a pas élimine, de main. Élimine, Mbappé, élimine. Mbappé face à Navas. Mbappé, deuxième poteau. Oui, pour le Moali. Pour le Moali. Dans le jeu. Dans le jeu. Personne ne l'a touché. Cette fois-ci, personne ne l'a touché. Pour le Moali de la tête sur le centre de Kylian Mbappé. Ça fait 1-0 pour la France. Janot, c'est ce qu'aurait dû faire tout à l'heure Ruiz. C'est exactement, c'est le copier-coller de l'action qu'ont raté les Espagnols. Et ils l'ont mis dedans. 1-0 pour la France. Enfin, on va surveiller quand même la position de hors-jeu de Kolo Muani. On va surveiller. Ouais, au cas où, on va surveiller quand même Manu. Parce mais que les Espagnols sont venus réclamer. On va surveiller Manu, même si a priori, la France a enfin marqué dans le jeu. Peut-être c'est Mbappé, non? On va surveiller. Mbappé, non, il est reculé d'un cran. Mbappé récupère le ballon. Tout va bien. Contrôlé, il n'y a pas de main. L'arbitre l'a dit immédiatement. Le ballon à l'extérieur. Ouais, c'est bon, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Il est venu se glisser entre la porte et Kukurea. Il n'y a pas d'enjeu. Et la France, dans le jeu, qui marque enfin un but. 1-0, oui, Arthur. Et les attaquants marquent. Célébré avec Randal Kolo Muani. Ils mettent la pression, les Espagnols. Ils mettent la pression. Ils continuent de discuter. Mais c'est bon, c'est bon. Morata avec l'arbitre, monsieur Vincic. Ils viennent tous encore. Ouais, comment ça? Mais il n'y a pas faute, il n'y a rien. Il n'y aura pas hors-jeu, t'inquiète pas Manu, tout va bien. Pourquoi ils râlent, voilà, les Espagnols là? Voilà. Kolo Muani, le sauveur de la France, messieurs, dames. Kolo Muani, le maudit de la finale de la Coupe du Monde 2022. Le maudit de l'occasion contre le Portugal en quart de finale. Et sur le point sur d'ouvrir le score. Et validé. Le but est validé. Kolo Muani, 22e sélection. 5e but en équipe de France. La dernière fois, c'était en amical contre le Luxembourg. Ce soir, c'est en demi-finale du championnat d'Europe. Attention, Daniel Olmo. Daniel Olmo qui va récupérer le ballon dégagé par Saliba. Yamal à l'entrée de la surface de réparation, la frappe enroulée. Quel but de Yamal. Du haut de 6-16 ans. C'est une pépite, c'est un artiste. Et il a tout simplement nettoyé la lucarne droite. Quel but de Mike Maignan, un partout. Et Maignan qui tout de suite a demandé à ses défenseurs pourquoi vous n'êtes pas sorti sur lui, sur ce coup-là, il était tout seul. Voilà la frustration alors que Kylian Mbappé est en train de discuter avec l'arbitre de la rencontre. Pourquoi t'es pas sorti sur lui? Derrière, il te met une frappe exceptionnelle. Et qui va la décaler maintenant pour aller chercher Navas, le centre. Devant le but, ballon dégagé, la tête Saliba. Double contrôle avec la frappe. Et le but contre son camp de Koundé. Le but contre son camp de Koundé. Dani Olmo qui frappe puissamment, plein axe, plein cadre. Et c'est Koundé qui est là pour la détourner dans ses propres filets. Quelle horreur! Arthur, raconte-nous devant et toi. Koundé qui dit on pousse pas assez fort. Explication entre lui et Aurélien Tchouaméni. Il lui en veut beaucoup sur ce coup-là. Mais messieurs, les garçons, Olmo, ce qu'il fait, ce qu'il réalise, c'est juste sublime. Et le contrôle et l'enchaînement qu'il fait devant moi est parfait. C'est impressionnant. Dans quelques secondes, la délivrance pour tout le banc espagnol. De La Fuente qui dit à l'arbitre, oui mais bon, je fais ce que je peux pour les contenir. C'est normal, c'est logique. Avec Fabien Ruiz qui va la mettre en profondeur. L'arbitre a regardé son chronomètre. Le ballon est sur le côté avec la récupération de balle. Avec Ferran Torres, avec Fabien Ruiz, avec le ballon, avec la récupération de Oyarzabal. Non, Upamecano qui dégage dans les pieds. Ça va se terminer. C'est fini. L'Espagne est en finale de l'Euro 2024. L'Espagne a battu la France. La France est éliminée. La France sort de ce tournoi la tête basse, impuissante face à un adversaire supérieur.